Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fil de Caressing, la chaîne qui vous aide à garder le fil avec votre passion de la giro-roue. Et oui, aujourd'hui une vidéo sur la giro-roue un an après. Bon, un an et trois mois après, puisque je me suis mis à la giro-roue en février 2022. Donc février 2022, février 2023, mars, avril, mai, donc un an et trois mois, giro-roue. Je l'ai toujours, ma giro-roue. Je n'ai pas chuté avec ma giro-roue. J'ai eu quelques petits... Voilà, où tu fais... Mais ça se passe bien. Tu récupères et donc tout va bien. Les chutes les plus graves, c'est quand la carte mère se met en mode sécurité et qu'elle s'éteint. Là, vous n'avez plus le système gyroscopique qui fait que la roue est équilibrée. Et là, c'est la chute. Mais voilà, c'est la chute, une chute d'une violence. Plus la vitesse est importante, évidemment, plus la chute va être grave. Et si vous êtes même à vitesse réduite, eh bien, comme vous perdez complètement le système gyroscopique, bah vous partez en avant. Si vous n'avez pas de protection sur les mains, sur les genoux, sur la bouche, sur les mentons, bah vous éclatez. D'ailleurs, à Folembray, quand on a fait la petite sortie là, avec mes camarades youtubeurs, où on a fait de la vraie voiture de course, eh bien, il y avait Alex qui était un wheeler. J'allais dire un giroriste, et il a fait une chute, et du coup, voilà, il s'en souvient encore très bien. Heureusement, il avait quelques protections, mais il avait son casque, sinon il aurait été massacré. Mais il est resté quand même un certain temps sans pouvoir rien faire, parce qu'il a été blessé au genou, il me semble, et donc c'est assez dangereux. Moi, honnêtement, je touche du bois. Du bois, jamais j'ai eu ça. Et ces trucs là ils sont assez rares quand même. C'est vraiment quand la carte mère se met en sécurité, faut vraiment faire le couillon. Soit vous dépassez la vitesse, soit vous accélérez trop fort, freinez trop fort. Il y a un truc qui va pas, qui fait que la carte elle dit wow, là ça va pas, je vais cramer, je me mets en sécurité. Je trouve que ça c'est quand même un truc de dingue. C'est à dire que les fabricants de giro-roue, ils devraient quand même songer à ça et faire en sorte que jamais ça se mette en sécurité, ou alors qu'il y ait une triple ou une quadruple sécurité. Évidemment que le mec dans une descente qui va à 60 km/h, alors que c'est qu'il faut pas dépasser les 35, bah il s'expose à ce type de choses. Mais il y a des giro-roues qui vont super vite. La mienne, elle dépasse pas les 35 ou 30, je crois que c'est 45 km/h. Je suis pas sûr, mais moi, j'ai jamais testé. C'est-à-dire que moi, je la bride à 32, 33, alors que déjà, je suis au-dessus de la vitesse, puisque la vitesse, c'est 25 km/h. C'est autorisé à 25. Tu dois pas aller au-dessus. J'utilise que les pistes cyclables, évidemment. Je fais super attention. Je roule pas sur les trottoirs. Je fais super gaffe. Et les petits trajets que je fais, honnêtement, ça va, puisque ce sont des trajets, en général, qui sont assez protégés. Sinon, attention, danger. Allez, c'est parti, je vous propose de rejoindre le terrain de tennis où tout a commencé il y a un an et trois mois maintenant, où j'ai commencé à apprendre sur ce terrain. Pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'avais fait à l'époque, bah, j'ai vraiment galéré au début, puisque ça faisait mal au tibia, ça faisait mal un petit peu partout, évidemment, puisque c'est quelque chose de nouveau qu'il faut apprendre. Et comme dans tout apprentissage, bah, il faut passer par des étapes un petit peu compliquées. Mais dès que vous parvenez à franchir ces étapes-là et à passer finalement les côtés un petit peu galères qui font que vous allez abandonner, et bien dès que vous passez ça, moi j'appelle ça la barrière de corail, dès que vous passez ça, après ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, vous progressez énormément et ça va de plus en plus vite. Et plus vous roulez et plus vous progressez, bien évidemment. Alors franchement, c'est super agréable de se balader comme ça en campagne. Alors là, c'est une route ouverte. Des fois, vous avez des pistes cyclables, c'est plus agréable encore puisque vous êtes protégé des voitures. Mais là, il n'y a pratiquement pas de voiture, donc je suis pratiquement tout seul. Donc c'est super top, quoi. Topissime, les amis. Alors, il fait pas très beau en ce moment, au mois de mai. Mais honnêtement, quand il y a du soleil, là, vous baladez. Alors, je me souviens que j'étais venu ici pour m'entraîner à faire des ronds. Ici, j'étais venu ici pour m'entraîner à faire des cercles plus serrés. Et qu'est-ce que j'ai galéré ici, les amis. Et regardez maintenant, regardez, voilà, je faisais des cercles là comme ça, voilà, et là maintenant je fais ça avec une facilité de dingue. Et là, on voit que le cerveau, c'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'apprentissage. J'ai appris la giro-roue, j'avais 50 ans, quoi. 50 ans, ma femme, quand j'ai acheté la giro-roue, elle me dit, mais n'importe quoi. Tu vas te tuer avec ce truc, t'es complètement cinglé. Et moi, je lui dis, mais non, je vais tester. Alors, je vous cache pas qu'au début, je l'ai dit sur la précédente vidéo, bah, je me suis posé des questions. Puisque je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc. Alors, je m'entraînais à faire des 8, regardez. Hop, voilà. Les 8, c'est vachement plus dur.
Vous voyez, même là, après un an, ça demande un petit peu de réflexion. Voilà, donc faire des 8, c'est ce qui va vous permettre de développer un petit peu votre capacité de virage. C'est comme du ski, en fait. C'est incroyable, regardez, hop, regardez comment... Alors, en même temps que je suis en train de faire la vidéo et de faire ces gestes-là, j'ai en mémoire la galère que j'avais mon fils qui me filmait avec la GoPro. Et c'était une galère, les gars, j'y arrivais pas, je posais le pied au sol, la gyro-roue, elle se barrait, je tombais. Pas une chute où je tape le genou au sol, non, je chutais en tombant de la gyro-roue, mais finalement en marchant à côté de la gyro-roue, presque en faisant une chute vers l'avant. Et c'était vraiment, vraiment chiant. Donc là, je vais vous mettre ma GoPro, je vais la mettre de l'autre côté, comme ça, vous allez voir. Vous avez entendu les coqs là qui nous saoulent. Le citadin, le parisien qui vient faire chier les campagnards parce qu'il y a des bruits de campagne, ça m'a toujours fait marrer ça. T'es à la campagne, il y a des bruits de campagne, mec. C'est juste un outil de dingue pour visiter des villes, quoi. Vous partez en voiture, vous garez votre voiture un petit peu loin, là où il y a des places de parking, et puis ensuite vous allez visiter tout ce que vous voulez avec la gyro-roue. Vous avez 50 km d'autonomie, donc vous pouvez faire 25 km aller, 25 km retour, c'est vraiment top. Ça vous permet de vous faufiler vraiment un peu partout. Dès que vous avez des endroits où vous passez pas avec la gyro-roue, vous arrêtez, vous prenez le trolley et puis vous baladez avec le trolley. C'est vraiment incroyable, quoi. Alors on va essayer de passer là-bas sur le petit chemin. Vous voyez, il y a un petit chemin un petit peu rocailleux là, on va voir si on passe. Normalement ça passe ici, vous voyez, sur ces petites zones là. Hop. Ah, ils n'ont pas entretenu, donc là je pense que c'est mort, parce que normalement ça c'est un chemin de randonnée, vous pouvez l'emprunter, mais là il n'a pas été entretenu, du coup là je vais pas m'y risquer. Alors il y a des gyro-roues beaucoup plus grosses avec des suspensions qui vous permettent de faire du hors-piste et du terrain un peu plus accidenté. Moi la mienne elle permet juste de faire des petits terrains un petit peu, voilà, un petit peu comme ça là. Voilà, il n'y aura pas de souci sur ce type de choses, mais voilà, je vais pas me risquer sur des hautes herbes comme ça. C'est un coup soit à tomber, soit à abîmer la gyro-roue, donc c'est pas la peine. Les gars, si on m'avait dit il y a quelques années, quand je regardais le film Retour vers le futur, vous savez, à un moment donné, il a des chaussures qui volent. Mais franchement, c'est la même chose. Si on m'avait dit il y a quelques années, mais Philippe, quand t'auras 50 ans, et ben tu seras capable de faire ce truc là avec une gyro-roue, un machin que tu fous entre tes jambes, et puis tu as l'impression de skier dans la ville, d'être au-dessus du sol. Mais moi j'aurais dit, ah bon, c'est quoi ce truc là, ah bon, t'es sûr que je ferai ça, t'es sûr que c'est quelque chose qui sera possible? Et en fait c'est ça, c'est exactement ça les gars, c'est ça en fait, c'est ce truc là, c'est le moyen de transport idéal pour faire des petits trajets, pour aller acheter un petit truc quand votre boulot il est pas très loin de chez vous, quand vous voulez visiter une ville, c'est juste un truc de dingue. Là, il y a un petit chemin là que je pourrais, vous voyez, vous baladez, vous voyez un petit chemin, ben bim, vous y allez. Il faut juste faire attention à l'autonomie de votre gyro-roue pour pas vous retrouver à revenir à pied. C'est vraiment excellent pour visiter des petits coins, quoi.
incroyable. Vraiment topissime. Et donc moi j'utilise pour aller bosser, pour aller faire des courses, pour aller au cinéma, pour aller déposer de la thune à la banque, pour tout faire en fait. Dès que c'est pas très loin en fait, moi j'aime pas faire des grands trajets avec. Je sais qu'il y a des gens qui font énormément de kilomètres avec, qui partent bosser avec, qui font 20 bornes le matin, 20 bornes le soir. Moi c'est pas trop mon truc quoi. C'est pas mon truc de faire la giro-roue comme ça sur des aussi longues distances. Donc moi je fais vraiment des petites distances, je dépasse pas les 5 km, 3-5 km. Mais ça peut vous permettre de faire des trucs beaucoup plus longs et de visiter vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une région. Vous y allez en voiture, vous faites un petit bout en voiture, un petit bout en giro-roue ou un petit bout en transport en commun. Moi, ça m'arrive aussi de prendre la giro-roue, d'aller jusqu'au tramway ou au train. Je prends le train et ensuite je reprends la giro-roue pour continuer mon trajet. Vous voyez, là, il y a une piscine. Hein ? Là, il y a une petite maison avec piscine sympa. Bon, après, en Normandie, franchement, la piscine, tu l'utilises pas souvent. Hein. Un écureuil qui s'est fait éclater la gueule. Il est peut-être tombé de son arbre. Ben ouais. La loi de la nature. Les gars, il y en a un, il m'a un petit peu agressé parce que j'avais parlé de la chasse à cours sur la vidéo, vous savez, de l'essai des voitures de course à Folembray. Je discutais avec un cuisinier qui m'expliquait que la chasse à... Il m'expliquait un petit peu ce que c'était la chasse à cours, moi j'y connais rien. Et donc je disais que finalement, il chopait qu'un cerf sur 15. Et que c'était la loi de la nature, et que la nature, eh ben, elle faisait sa sélection par l'adaptation. Elle sélectionnait celui qui s'adaptait le mieux. Et en fait, bah forcément, le cerf qui s'adapte le moins bien, bah, c'est celui qui se fait choper par les chiens de la chasse à cour. Et là, le gars, il a dit « Oui, non, c'est l'homme qui est méchant !» Bah oui, qu'est-ce que tu veux, l'homme, il fait partie de la nature. C'est comme ça, et donc du coup, il fait pas toujours les choses correctement, mais il soigne la nature, l'homme, surtout pour son intérêt. Ça m'a toujours fait marrer les écologistes, parce que les écologistes, ils disent il faut protéger la nature, blablabla, mais c'est surtout dans notre intérêt qu'il faut protéger la nature, évidemment. La nature, elle n'a rien à péter de l'homme. Elle s'en fout complètement de l'homme. Elle fout un cyclone dans ta gueule, elle regarde pas s'il y a des maisons, des trucs au milieu du cyclone. Et voilà, on est arrivé, regardez, c'est le terrain de tennis. Il y en a plein qui vont le reconnaître. Et oui, le fameux terrain de tennis, les gars, où j'ai passé du temps. J'ai dû passer, allez, un peu plus quand même, 6-7 heures. 6-7 heures parce que je l'ai fait en deux fois. Je l'ai fait une première fois pendant les vacances de février et ensuite, juste après, pendant les vacances justement du mois de mai. Où là, bah, on est un an après. Voilà, et donc c'était vraiment, c'était chaud, hein, vraiment. Et en plus, ça glissait un peu. C'était pas forcément le meilleur moyen et la meilleure solution pour apprendre la giro-roue, un terrain glissant, mais bon, voilà, ça m'a permis aussi de bien appréhender l'équilibre sur la giro-roue. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à la giro-roue suite à ma première vidéo. Hein. Il y a des personnes qui se sont dit, bah tiens, pourquoi pas moi? Et j'y reçois très souvent des messages de gens qui me disent, bah tu sais, Philippe, moi, je fais de la giro-roue comme toi et franchement, je trouve ça incroyable. Alors, ce qui se passe après, c'est que quand vous chutez, bah ça vous met un petit coup d'arrêt quand même, parce que quand tu prends une chute en giro-roue, général, voilà, faites attention, mettez vos protections. Là, je suis pas très loin de chez moi, donc franchement, voilà, il faut quand même le faire. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis conscient que là, c'est inconscient. Je suis conscient que c'est pas bien. Ah, il est midi, 11h, je sais pas. Mais en tout cas, il faut faire attention. Il faut mettre surtout les mains, vous voyez. Moi, les mains, il faut mettre des gants, des trucs de moto, des trucs pour protéger les poignets, vous savez, les trucs de roller. Des genouillères, parce que le premier truc qui va impacter, c'est le genou. Dès que vous tombez, c'est le genou bah, qui tape le premier. Et puis après, là, une chute, on ne sait jamais comment ça se termine. Vous pouvez vous éclater le menton, vous pouvez éclater le visage. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, je ne roule pas vite. C'est-à-dire, honnêtement, dépasser les 25, c'est assez rare. J'ai mis ma giro-roue à 31-32 de bride. Je l'ai bridée à 31-32. Parce que parfois je dépassais et du coup il y avait un système de sécurité qui me ralentissait et du coup j'avais presque l'impression de tomber et c'était un petit peu dangereux.
Ce qui fait que je me suis dit, bon, je vais peut-être mettre un petit peu plus haut comme ça. Je sais que de toute façon, je ne vais pas aller chercher plus haut, mais je ne vais pas me faire piéger par le système de sécurité qui ralentit la gyroroue quand tu dépasses une certaine vitesse. Et notamment la vitesse de 25 km/h, puisque de base, elle est bridée à 25. Donc moi, j'ai monté un petit peu à 31, 32. Je crois que je suis monté à 32. Je crois que je suis à 32 là. J'ai fait 1500 km en une année. Donc c'est exactement ce que je faisais avec mon scooter. Vous voyez, finalement, j'avais un scooter pour rien. Et c'est la preuve, puisque maintenant, j'ai passé l'hiver. C'était ma grande crainte, c'était de me dire, bah tiens, comment c'est sympa la gyroroue en été, c'est génial, il fait beau, machin, mais comment ça va se passer l'hiver quand il fait froid, quand il pleut, quand il fait moche? Et bien ça s'est passé très bien, puisque mes trajets sont très courts, sont pas longs. Donc j'ai eu quelques cas où j'étais sous la pluie, mais comme cette gyroroue là est équipée pour la pluie, vous voyez, c'est un système qui fait qu'elle est elle est anti-pluie. Donc vous pouvez voir, alors évidemment, faut pas rouler sous un déluge, ni dans les flaques d'eau, ni dans l'eau, mais s'il pleut un petit peu, ça va, ça passe bien, il y aura pas de souci. Donc voilà, moi ça m'est arrivé très peu de fois, et donc ça, franchement, ça m'a... Il y a un terrain de pétanque, j'avais jamais fait gaffe. Faudrait que je vienne jouer à la pétanque ici. Tiens, je prends ma gyroroue, vous voyez, je prends ma gyroroue, je prends mes boules de pétanque, parce que ce qui est bien aussi avec la gyroroue, c'est que vous avez vos bras qui sont libres par rapport à une trottinette électrique. Parce que très souvent, les gens comparent avec la trottinette électrique, ils disent oui, la trottinette électrique c'est mieux, machin, mais pas du tout. Moi, j'ai eu la trottinette électrique, j'ai été un des premiers en France à avoir une trottinette électrique. C'était il y a un paquet d'années, c'était il y a 3 ou 4 ans en arrière. La trottinette, elle coûtait 1 000 euros, je l'avais payé 1 000 euros, et c'était pas des trottinettes qu'on a aujourd'hui hyper puissantes et avec beaucoup d'autonomie. C'était un truc assez basique, mais qui était déjà quand même un truc haut de gamme à 1 000 euros. Et ben j'avais les mains prises, c'était super chiant d'avoir les mains prises. Et pour la mettre dans le coffre de la bagnole, pareil, c'était super chiant, parce que ça prend beaucoup plus de place qu'une gyroroue. Regardez ça, hop, vous prenez le trolley, ça y est, vous baladez avec, vous allez au cinéma, vous allez dans une boutique, vous allez partout où vous voulez. C'est pas comme une trottinette. Vous fermez ces deux trucs là, les deux machins sur les côtés, et puis à partir de là, c'est réglé. Vous pouvez vous balader où vous voulez. C'est comme une petite valisette. Donc finalement, vous dérangez personne, même dans les transports en commun. Prenez le métro, prenez le train. Vous n'allez pas emmerder les gens avec vos trottinettes. Allez avec une trottinette électrique ou un vélo électrique dans un train, vous allez voir, c'est le bordel. Donc franchement, c'est excellent. Et j'ai fait exactement le même nombre de kilomètres que ce que je faisais avec mon scooter. 1000, 1500. Là, j'ai fait 1500 km en un an et trois mois. Donc vous voyez que je ne roule pas non plus énormément. Mais pourquoi avoir un scooter où il faut payer une assurance, il faut payer le LLD, il faut payer l'essence, il faut le surveiller, il faut l'attacher. Enfin, franchement, il faut avoir un casque, machin. C'est super chiant. Là, vous avez un petit casque de moto. Enfin, c'est pas un casque de moto, c'est un casque de, vous savez, pour ceux qui font les skis du ski de descente, c'est un casque comme ça. Ou bien le casque de vélo que je mets quand il fait vraiment très très chaud. Mais honnêtement, je vous conseille quand même un casque fermé ici, parce que quand vous chutez, ça va taper sur le sol. Donc faut faire gaffe. Et moi, avec le scooter, je voyais des gens en jet. C'est les casques jet qui sont ouverts sur le menton. Franchement, à chaque fois que je les croisais, je disais, mais le mec, tu tombes mon gars, mais t'as plus de visage. Donc j'ai toujours roulé un petit peu en scooter. À chaque fois que j'avais un scooter, moi j'avais toujours un casque intégral. C'est d'ailleurs ce casque intégral que j'ai emmené, mon dernier casque intégral qui correspondait à mon scooter que j'ai arrêté il y a un an, que j'ai emmené pour la course. C'est un bien grand mot pour l'essai des voitures de course prototype que j'ai fait là avec mes petits camarades. Bon ben, posez-moi des questions si vous en avez sur les commentaires. Voilà, terminé pour cette vidéo. Un an après, je vous ferai une vidéo deux ans après, dans un an, pour vous dire un peu qu'est-ce qui a évolué. Peut-être que je vais changer. Je vais peut-être changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Prendre une plus puissante. Celle-là, c'est la InMotion SCV V8F. Mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi changer. Peut-être pour plus d'autonomie. Mais vous allez me dire, mais pourquoi plus d'autonomie, Philippe, puisque tu viens de nous expliquer que finalement, tu ne fais pas des grandes distances. Mais peut-être que ça m'inciterait à peut-être aller faire une visite au château de Versailles. Parce que moi, je vois des gars en gyroroue qui vont faire des grosses randos. Hein. Donc, je pourrais tout à fait aller sur des forums de gyroristes. Non, des wheelers. et puis aller voir avec eux, prendre rendez-vous avec eux et puis faire des balades avec eux. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Et tu crées des rencontres, tu crées du lien avec les gens, ça peut être sympa. Si c'est pas trop loin de chez moi, franchement, ça peut être sympa à faire. Donc voilà les gars, si vous avez comme moi envie d'essayer, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, parce que ça vaut 1000 euros environ, et une bonne gyroroue, 1000 euros. Et puis derrière, honnêtement, vous gagnez un temps de dingue. Vous gagnez un temps de dingue, parce que moi, j'ai remarqué que aller en voiture là où je bosse ou aller en gyroroue, mais je gagne 10 à 15 minutes à chaque fois. 10 à 15 minutes à chaque fois. C'est-à-dire qu'en voiture, je vais mettre,
20-25 minutes le matin quand il y a du monde et puis que ça roule pas trop vite, en giro-roue, je vais mettre 10 minutes systématiquement. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas du monde, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, ça va être tout le temps le même temps, c'est 10 minutes tout le temps. Et donc à partir de là, bah forcément, vous allez gagner du temps. Parce que 10 minutes que vous allez gagner tous les jours, pendant tous les jours de du mois, tous les jours de l'année, bah à la fin du compte, ça fait énormément de temps que vous allez gagner. Et c'est comme ça finalement qu'on fait le calcul. On calcule avec toutes les minutes que vous gagnez chaque jour. Je l'ai expliqué à mon gamin l'autre jour, je lui ai dit, si tu gagnes une minute par jour tous les jours, vu que tu as 365 jours par an, bah, tu as gagné 365 minutes sur ton année. C'est énorme. Et pourtant, ça t'a demandé un effort que d'une seule minute chaque jour. Donc, l'impact, il est super important quand vous augmentez finalement la proportion. Vous changez la proportion et l'impact de ce que vous faites va changer aussi d'impact, forcément. Si vous prenez une minute sur une journée, bah ça fait une minute. Et vous allez, bah ouais, j'ai gagné une minute, super. Si tu prends la même minute que tu gagnes tous les jours pendant un an, ça fait 365 minutes. Si tu le multiplies par 10 ans, c'est encore plus gros parce que la proportion est plus grosse et donc l'impact va être encore plus gros. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Cette fois-ci, on va reprendre le sim racing. Eh bah oui, faut pas déconner, non.